Socilius. The frogs in La Kid de Dragon Amuse. Ça va? Eh bien, bonsoir à tous, bonsoir à toutes, je suis Sorcilius sur Minecraft et je suis avec The Frax Family au grand complet. Salut tout le monde. Bonsoir. Bonjour, bonjour, bonsoir Sorcilius. Bonsoir. Et t'as vu, c'est le bazar, on est là, c'est foutoir, mais c'est comme ça. C'est un peu notre marque de fabrique. Ah, voilà. Mais j'aime ça, j'adore ça. Et aujourd'hui, et voilà. Épisode anniversaire, car c'est le 20e épisode de La Quête du Dragon en Mousse. On applaudit bien fort. Ouais. Bravo. Voilà. Séquence émotion. C'est vrai. Bravo. Je veux des pleurs partout. Du mouchoir. C'est super bien. Non. C'était tellement surjoué. Et en exclusivité, si vous restez jusqu'au bout, vous aurez Taxomax qui va twerker une fleur. Ou un calamar, j'hésite. Ou un calamar. Faut rester jusqu'au bout du coup. Après, ça devient hardcore quand même si je twerk un calamar. Bon, on a perdu Axel. Je sais pas où elle est. Je sais pas ce qu'elle fait. Elle était en pleine extase. Attends, au paradis des fleurs, mais je sais pas où elle est. Bah, je suis en face de vous, retournez-vous. Ouais. Fais un mouvement, fais-nous un signe. Saute. Ouais, je sais pas. T'es... Ah oui, ça y est, je la vois. Tout ah, là-bas. Ah oui, d'accord, ah oui, oui. Le petit bidule qui saute au fond là. Je le vois pas. Ok. Si. Si, le truc, la tournicotille, tout. Je le vois au fond. Si, tu vois pas je loupe quelque chose. Mais si. Mais si. Et comment faire un zoom? Ah oui, c'est quoi comment... Ben, sans Optifine, c'est impossible. J'ai Optifine. Ben, c'est avec contrôle du coup. Ah bah non, moi ça fait pas. Ben, c'est peut-être avec W. Purée, j'ai fait. Ta-da. Non, j'ai ajouté une carotte. Oh, c'est pas grave. C'était n'importe. Je ne sais pas, j'ai dû faire n'importe quoi. Bon, en tout cas, souvenez-vous du coup, à l'épisode précédent, qu'est-ce qu'on a fait? Eh bien, on a construit un enclos à lapin qu'on a un petit peu garni avec Roger et je ne sais plus qui d'autre. Jean-Mi. Jean-Mi, voilà. Jean-Mi. J'ai pas choisi les prénoms. Mémorable, Jean-Mi. C'est un supplice de les entendre tous les jours. On a adopté le petit canard kawaii. Mais il y en a un deuxième, c'est chelou. Ah oui. Et puis là, quand même, sorcier. Le champion, vous êtes eh bien, des champions de Théo et moi avons formé une très belle équipe et on a réussi à dompter un villageois. Bravo. Qui s'appelle du coup Boris. Boris. Boris le prêtre. Boris, ça fait trop badass. Ok. Salut Boris. Me regarde pas comme ça. C'est Boris le prêtre. Et t'as vu, il est rentré tout seul. Se reproduire. Et vous avez vu, il fait nuit, claque, il est rentré dans sa maison. Ça c'est classe. Par contre, il y a pas beaucoup de meubles. Ouais, mais il fait avec la joie, il faut les habituer un petit peu à la dure pour l'instant. Hein. En même temps, c'est un prêtre, donc il est habitué. J'ai l'impression qu'il se passe un truc avec Jean-Mi, un sorcier. Hein. Il te regarde. C'est Boris, c'est pas Jean-Mi. Ah oui, Jean-Mi, c'est le lapin, quoi. Boris, il te fait des yeux, là. Il te fait des yeux. C'est une belle expression. Et du coup, aujourd'hui, ce qu'on pourrait faire, c'est du coup construire quelques maisonnettes pour les copains de Boris. Exactement. Bibliothécaire, forgeron et compagnie, oui, tout à fait. Oui, une fois, papa avait fait une map tout seul et donc bah, il nous avait invités. Il avait déjà fait un village. Et moi j'avais construit une église et une bibliothèque. Attention dedans. Poussez-vous Creeper. Attention. Reculez, Théo. Faut pas qu'il pète. Ouais, il est fort. Hein. Mais attendez, mais j'ai du skill en combat moi. Et donc je disais que j'avais fait une église et une bibliothèque dans son village. Impeccable, écoute, tu vas nous montrer tout ça. Et moi je propose qu'on aille faire dodo par contre, non? Tout à fait. Qu'est-ce que vous en pensez? Il me faudra... Je vote pour. D'ailleurs j'ai toujours pas rempli ma mission de la deuxième vitre. Ah mais non, la mission de la deuxième vitre, c'est voué à l'échec ça. C'est du tout prioritaire ça. C'est pas qu'on s'en bat les steaks. Non, on s'en bat pas les steaks. C'est pas une question de s'en battre les steaks, c'est une question que c'est pas du tout... On s'en bat les steaks. Non, c'est pas ça. Allez, au lit. Oli, numéro 1, Oli, numéro 2, avance s'il vous plaît. On a un invité, j'aimerais que vous présentiez une meilleure image. Mais on y va. Il y a Kawaii 1 et Kawaii 2. Et me ferme la porte devant le lit. Non, il y en a un qui s'appelle Kawaii et l'autre Baka. Ah oui, d'accord. Bon, Sorcilius, t'es pas trop éreinté, ça va? Non, ça va. Par contre, je t'ai piqué ton lit. D'accord. Prams. On dirait une séance chez le psy. Oli, ah, je suis tombé. Regarde, papa, si je me mets à côté de Sorcy comme ça, on pourrait croire une séance chez le... Non. Alors, chez le psy. Écoutez, monsieur Théo, j'ai toujours eu une enfance difficile. Je sais. Mais... Et quand concluez-vous? Bah, ma mère aurait dû m'acheter des Legos quand j'étais petit, mais...
À la place, j'ai eu des Playmobil. Quand je vois la tête de citrouille posée à côté de toi, ça fout franchement les chevaux. Et vous, qu'en pensez-vous? Bah, je suis triste. Et depuis, il vit avec les poules. Il y a Bakai et Kawaii qui t'attaquent. Bon, allez, au plus bas! Prince! Ouais, dodo, allez. Qui sait ce que ça veut dire, Baka? Personne. Ça veut dire idiot parles. En japonais. Fais pas ta maline. Hein. Baka! Ouais, d'abord. D'abord. Ça veut dire idiot et l'autre, ça veut dire mignon. Tiens, vous allez venir bosser, tiens, au lieu de faire non. Les malins là. Il faut qu'on construise des maisons là. Allez. Je vide mon inventaire et j'arrive. Ça marche. Moi aussi, je coach la famille. De toute façon, j'en ai trop. Je suis rempli de fleurs. Bah viens, Axel. Axel? Oui. Suis-moi. Viens. Qu'est-ce que je dois décorer? Vas-y. Viens. Il n'y a pas une question de décoration là, il va falloir construire un petit peu là. Oui, mais aussi déco. Oui, bah ça, c'est après. Je vais faire quelques coffres supplémentaires au slow parce que j'ai l'impression qu'on n'a pas cette place. Donc, dis-moi ce que je dois faire, papa. Et puis là, j'ai deux Lilliputiens qui sont arrivés aujourd'hui qui nous en mettent partout, donc effectivement, il va falloir faire des coffres. Ça, je confirme. C'est qui les Lilliputiens? C'est sûrement le père Matt qui va nous faire un arrêt cardiaque quand il va voir nos inventaires, à mon avis. Ah, bah écoute, le père Matt. C'est qui les Lilliputiens, papa? Papa, c'est qui les Lilliputiens? Ah, ça, on se demande bien. Est-ce que tu as mangé avec celle d'ailleurs? Oui. J'ai plus rien. J'ai tout mangé. Ok, tiens, je t'envoie. Je range un peu mes coffres et j'arrive. Vas-y, tranquille. Allez, rattrape. Moi, je fais du parcours. Et ouais, si tu veux. Ah, ta tenue de pêcheur, là, franchement, je... Ah, j'arrête, c'est extraordinaire. On parle à la clé de base. C'est bon, on dirait un pêcheur. Enfin, notre clair va bien, en tout cas. Hein. Je dis notre clair, mais non, c'est pas notre clair. C'est marqué cléric. Moi, j'ai la version anglaise. Moi, j'ai la version française. Et c'est écrit prêtre. Très bien. Parce que si on parle de clair, c'est pas ça un clair. En fait. Bah non. Mais c'est je te raconterai plus tard parce que c'est un peu long. De quoi? Non mais on est prêt. Oh, en ouais, version ouais, courte. Vas-y, parle, j'adore. Non en mais en fait c'est surtout que bah je sais pas trop mais je sais que c'est pas un prêtre. C'est pas un prêtre. Et tu as raison. C'est en rapport avec la loi, non c'est ça? Non c'est en rapport avec l'église mais c'est voilà. Ah oui d'accord. En tout cas, il est très sociable, notre villageois. Il arrête pas de venir vers nous. Creeper. Ah, c'est qui vous aime bien. Ah, il est gentil. Bon, par contre, mais je vous demande de l'appeler par son prénom. Recule, Axel, t'as c'est Boris tout de même. Non, recule. J'attaque avec une côte de porc quand même. Bah oui, mais prends une épée. Mais j'en ai pas. Mais fouille dans les coffres. Ouais. Allez, va chercher une épée, Axel, parce que là, tu me fais mal. Là. Te voir taper avec des fleurs et des côtes de porc, ça m'énerve. Allez, va chercher une épée. Allez, c'est parti. Parce que j'ai quand même attaqué une araignée avec des rosiers, hein, je veux pas dire. Mais c'est n'importe quoi. Théo, t'as vu le coffre? Non. Bah si, regarde. Non. Bon, là, tu vois, ça, c'est un exemple de maison, simple. Moche mais efficace. C'est clair que c'est moche mais. Si on lui montrait les maisons qu'on avait fait. Ah non mais ouais mais c'est encore plus terrible. C'est encore plus moche que celle-là. Ah c'était super. Non il y avait des appartements, il y avait tout. Ouais bon. C'était en fait les murs c'était des portes. Ah ouais on met des portes. Faut mettre des portes. Le villageois se reproduit si il y a de l'espace et des portes. Voilà. Il faut qu'on soit petit. Faut qu'on en mette plein des portes. Complètement débile. D'accord. Voilà, c'est vrai qu'on pourrait faire une maison entièrement de portes, c'est très bien. Moi je dis, on fait que des portes. C'est moche. C'est moche après. Des portes. Mais c'est pas grave. Ouais, mais ça fait que ça se reproduit. C'est non, ça mais le truc. Oslo, on a fait. Enfin, t'as fait une maison qui est quand même très jolie. Et à côté, tu veux faire. Enfin, non, c'est non. Non, ça marche pas comme ça. Je fais de l'élevage, moi. C'est pas grave. On fait à l'américaine. Alors, vas-y, sorcier. On te regarde. Efficace. Ah non, mais moi je sais pas construire. Elles sont vos épées, tout ça. Par contre, il faut plus d'espace. Comment ça, faut plus d'espace? Alors, c'est vrai que les maisons, faut pas trop les rapprocher. Oui, et pas trop petites, parce qu'il me semble faut un truc. Je me souviens d'un truc, genre autant de cases devant que dans la maison, ou un truc comme ça. Ok, je suis énervé, c'est bon. Je suis énervé. Ah bah, t'es pas là. Je crois qu'il aime pas notre idée de mettre des portes partout. C'est vrai que c'est pas beau, je suis d'accord. Ouais, mais c'est pas grave. Je veux dire, est-ce qu'un champ de maïs, c'est beau? Non. Non. Bien sûr que si, c'est beau un champ de maïs. Bah, bien bah sûr, oui, faut c'est ça, tout faut... jaune. Je suis pas d'accord. Mais non, mais est-ce que toi, tu as la nervosité liée à ton âge? Si tu veux, t'es un peu vénère. Mais quand moi, tu vas voir, c'est chouette. L'efficacité. Je vais faire rigoler en plus. La rentabilité. Ok, et là, il faut mais faire y a plein rien de portes. Dans vos coffres, c'est pas possible. Te calme, Oslo.
Je suis. Papa... Si Axel, regarde les coffres, même le mien, il y a des épées. Si, si, si. Je te laisse chercher. Ah, j'ai le droit de regarder dans les vôtres. Enfin, dans le mien en tout cas. Ah oui, d'accord. Propriété privée tout de même. Je ne dirais pas fouille dans les coffres à sorcier, non, non. Surtout mais actuellement. Moi, je cache des choses affreuses dans mes coffres. Il y a quoi, des morts? Des cadavres. Oh bah, entre autres. Non, il faut vraiment. Ah, dommage. Dommage. Alors, je précise, faut vraiment de la porte, hein. Tu vas te calmer, oui. Écoute, la porte, c'est la vie. Moi, je vote, on fait ça en scred pendant qu'il a le dos tourné. Non, on fait pas trop de portes, parce que je sais que Sorcy, elle recherche une certaine harmonie. C'est ça, en fait, une petite harmonie, une harmonie. L'harmonie est importante. La symétrie. Et si je mets des portes comme ça, ça va. C'est pas mal. Voilà. Écoute, j'ai 30 portes. Alors, c'est pas. Ouais. Tu m'as fait alors là, métier. Après, vous mettez du bois, des fenêtres? Faudrait faire quelque chose. Est-ce que quelqu'un a une pelle? Ah bah non, tu l'as fait. Pas moi. Parce que si tu parles comme ça, c'est sûr que alors... personne va être en chercher. Non, je rigole. Alors ce que je propose, c'est que déjà, je vais faire de la place dans mon inventaire. Je vais revêtir mon scaphandre de combat. Oh non, mais t'es encore plus poche avec ton scaphandre. Eh, je suis en mode péchou. Non, mais tu vois, moi, dans la famille, je suis la seule à voir l'esthétique. Le style esthétique. Non. Je suis la seule. Le style esthétique. Tu es moche. Et je suis la seule à voir le moins de français. Voilà. Solitude. Ouais. Souffrance. Ah, vous mettre des fenêtres où? Mince. Comment faisons-nous pour les fenêtres? Alors, les fenêtres seront mises ici. Là, dans l'espace, ici. Ok. Ici, là, mon pauvre sorcier, j'ai peur que si tu refuses les portes, tu vas devoir faire 15 000 maisons. Mais je veux faire 15 000 maisons. C'est ça, il veut faire un vrai village. Ah, donc c'est pas les bonnes... Ah bah d'accord. Ah, j'avais fait des planches, mais c'est pas les bonnes. Ok, bah, je m'en vais avec mes planches. Décidément, aujourd'hui, c'est très mauvais. Mon... J'avais prévu un coffre exprès avec tout le matos, personne... voilà. Oh, bah... j'ai une idée, si on faisait des carreaux comme ça, avec toutes les planches... Ah non, sorcier, du noir sur du noir. Je fais ce que je veux, c'est ma maison. Oh non, d'accord. j'ai une idée pour que tout le monde soit content. Viens papa, on va faire nos maisons à côté. D'ailleurs, tu sais quoi, je vais appeler ça le manoir noir, ok? Le manoir noir, c'est pas mal ça. Sorcier, j'ai une idée pour que tout le monde soit content. Oui. Ah bon, c'est quoi? Je peux? Tu peux quoi? Qu'est-ce qui se passe? Non, touche à rien. J'ai besoin de ça. Tac. Attention. J'ai fait des fenêtres rouges, ça pourrait être très effrayant. Mais non, pas comme ça. Non, Axel, non, c'est moche. Non, alerte, c'est joli. Alerte, non, mais goût. Tout le monde sera content. Alerte mauvais goût. Hut. Non, mais tout le monde sera content. Mais on est tous contents, mon lapin. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Alors ça, c'est de l'élevage. Ça, c'est de l'élevage. Mais c'est... Oh là là. Débrouillez-vous. Moi, genre, dans ma maison, je sors plus. Je suis désolé, Sorcilius, mais... Tu m'as déçu. Axel, arrête. Non, mais laisse Sorcilius faire sa maison. C'est fini entre nous. Axel, laisse Sorcilius faire sa maison. Mais c'est joli. C'est mon manoir noir. Pas. D'accord. Après tant d'aventures, Sorcilius. Mais je pensais avoir tout vu d'Oslo, mais je suis très déçu. Bon, attends. Tu veux une fleur? Papa, mets des piliers en bois. Non, là, je pleure. Attends, je répare mes erreurs. Oslouille, t'as des fenêtres? Des fenêtres, oui. Dans le coffre, il y a plein de petites fenêtres. J'en ai même fait des rouges. Si tu veux faire ton manoir noir qui fait peur. Non, mais tu sais bien que ça a jamais marché, les fenêtres rouges. Ouais, mais là, c'est tellement glauque. Si tu mets des fenêtres rouges, ça va être... stylé. Ouais, je vais essayer. Allez, vas-y, fenêtre rouge. Moi, j'y crois, là. Oh, regarde. Ah, c'est glauque. Ah, oui. Ah, le villageois, là, ils vont... Oui. On dirait... Alerte, mauvais goût. On dirait... voilà, tu vois ce que je veux dire. Alerte, très bien. Mauvais goût. Alerte, vois très bien. Mauvais goût. La écoute, police de la mode, là, peut même pas... Lanterne rouge. C'est infâme. Oh, ça fait... Hey, c'est effrayant. Remarque, on dirait une maison en chocapic, c'est magnifique. Excellent. Hey, Théo, ouais, tu me couvres tout ça, Théo, c'est bien. Parfait. Alors, pour celle-là... Oui. T'as fait des petits panneaux? Des petits panneaux, c'est-à-dire? Pour mettre des trucs dessus. Pour cette maison, je vois bien des rosiers et des rouges, et que des fleurs rouges. Et je parle avec ceci. Tu te tais, toi, tu te tais. Désolé. Mais, oh. Tu te tais, vilaine. Alors, tu voulais des panneaux pour écrire dessus, ça? Oui. Je vais te chercher. Allez, vas-y. Moi, je regarde ma maison. J'ai besoin de mais c'est moche, ce que tu fais.
je suis désolé, Sensius, mais là on est là pour de l'efficacité, on n'est pas là. Mais on a 40 000 blocs de place et tu vas faire un élevage intensif. Exactement. Ah ouais. Et là, on va dire que c'est le coin en production peut-être. On en fera qu'un comme ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, j'en cacherai un ou deux derrière. En fait, c'est simple. On a ici le coin basique pour les gens sympas. Là, on sympa. A le coin pour les pauvres. Comme ça, mecs qui rentrent, comme ça, ils sont 40 dedans. Bon. Oui, c'est ça. Et là, on a la maison du luxe. Bah, exactement. Voilà, petite fenêtre rouge, tout ça. Ouais, petite fenêtre rouge. Ah, vous avez aucun alors, sens. Le coin luxe. Je vais moi, vous je la dis faire, quand même. La maison luxe, hein moi. Ah, bah, vas-y, fais une maison luxe. Alors, par contre, tiens, si tu veux la faire, Axel, prends un petit peu plus de... Éloigne-toi. Je sais pas où tu es là. Je suis là. Où ça, là? Viens, suis-moi là. Regarde, tout de même, je veux dire, tu vois où je suis, on peut pas dire que c'est si laid que ça. Bah, c'est moche. C'est pas très beau. L'alignement de ces portes de cette façon. Papa. Mais t'aurais au moins pu leur mettre un cube de plus en hauteur, et là ils vont se taper la tête contre le plafond. C'est même pas symétrique. Ouais. Si, c'est symétrique. Ah, Axel, pas du tout. Tu te mets par là? Voilà, tu fais ta maison là. Le villageois rentre, ça veut dire que là il va bientôt faire nuit. Slow, il faut un panneau. De toute urgence. Alors, oui, je vais faire des panneaux. Allez, tac, est-ce que j'ai ce qu'il faut? Oui, tac. Moi j'adore. Mais je t'en fais plein. Alors, je t'en ai fait 9. Waouh, je suis très 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 content. Voilà. Allez. Axel, tu nous fais une belle maison? Bien sûr. Il fait écrire que c'est genre stylé et tout, alors que nous c'est super beau aussi. Hein. Alors non, c'est super moche, Théo, quand même. Mais non. Mais tu sais non, très bien pour. Ça, il va écrire un truc sur nous. J'ai peur. Écoute, on peut lui laisser quand même. Élevage intensif. C'est ça, élevage en batterie. Ça, c'est la maison d'où, ça. C'est la maison père d'Odu, ça. C'est pas du poulet, tu vois. Voilà. La maison père d'Odu. Élevage intensif, exactement. Et là, c'est quoi? Manoir noir. Par contre, le c'est normal qu'il n'y ait pas de fenêtre, hein? Maison de bois. Il veut qu'une fenêtre. Oui, il veut qu'une fenêtre. T'étais pas inspiré, Sorcilius, pour la maison à Axel? Ou ta maison que t'as fait? Manoir noir, je trouve ça magnifique. C'est celle-là? C'est la maison de Boris? Ah, maison de Boris, j'ai lu maison de bois. C'est mais non, de Boris, mon petit. Je vous propose. Est-ce que vous voulez faire une petite sieste ou pas? Oui, je vais faire une petite sieste, moi. Allez, Axel, viens. On y va, on va faire dodo. Pour l'instant, je fais les fondations. Oh, ouais, bonjour, salut. J'aurais besoin de pelle. Eh ben viens, on va te faire des... On va à la maison, tu te fais une pelle. Allez. Voyons, c'est du boulot avec vous. Hein. Je vous jure, c'est du boulot. Mon cher Oslo, les gens critiques disent que c'est pas intéressant, mais au fond, hein, s'ils se marchaient vraiment sur les épisodes, ils trouveraient ça super intéressant. Moi je pense, bien sûr. Ce qu'on fait en plus, c'est super. J'ai besoin d'une pelle. Bon bah, je vais voir dans tes coffres. Qui c'est qui dit que c'est pas intéressant? Oh, bah, qui a une pelle dans tes coffres? Eh mais Axel, tu te débrouilles, tu penses dans ta tête. Voilà, tu fais. Voilà. Mais tu sais même pas où c'est votre matos, moi. Tu te débrouilles, tu es grande maintenant. Ça, c'est mon coffre et j'ai pas de pelle dedans. Oui, alors les gens trouvent ça peu. Alors non, il y a des gens, oui, mais c'est parce qu'il semblerait que nous soyons à contre-courant, mon Sorcilius. Oui, c'est vrai. C'est la fin de Minecraft, mais nous on continue. Eh oui. Oh, c'est fini, les vidéos sur Minecraft ne marcheront plus jamais. Voilà, la survie, ça sert à rien. Mais non. Mais on s'en fiche. Il est où, Pépère? Il dort. Il est dans son lit. Ah, pardon. Alors c'est qui dort? C'est Axel, mais il est où? Punaise, c'est pas vrai. Réfléchis sur la vie. Axel? Oui. On t'attend pour dormir, sinon on va pas pouvoir vous bosser. Vous m'avez dit de me débrouiller pour ma pelle. Bah oui, mais là c'est l'heure de dormir. Ah, tu feras ça demain. Ah, c'est bon, je l'ai fait. Allez, viens, suis-moi. Parce que là, sinon, je te connais. Allez, prends. De toute manière, Oslo, notre série est devenue trop commerciale. Voilà. Ça pue l'argent. C'est clair. Rendez l'argent des abonnés. Mais pourquoi trop commercial? Parce qu'on fait des villages? Non, mais tu sais bien ce que dit Matt sur nous, voilà. Matt, qui était notre fervent admirateur, maintenant on commence à nous critiquer. Ouais, je suis très déçu. Il a dit qu'on était bling-bling avec nos armures. Ouais, c'est clair. Alors que je veux dire, on les a méritées, nos armures. C'est clair. Personnellement, moi je déteste les armures, alors je pourrais dire pareil. Mais sinon, je vais me faire taper. Oh, regarde! C'est très bien. Oh, une armée de zombies! Oh non! Attendez, j'arrive, je veux participer à ça. Non mais ils sont tous morts. Oh. Bella, je suis déçu.
Je m'attendais à un combat. Il y a vraiment du meuble la nuit ici, hein, c'est incroyable. Hein. Par contre. Ok, donc ça, ça c'est parce qu'ils sont attirés par un manoir gothique. Ah ouais, non mais c'est... ah oui, c'est vrai. C'est vrai, non mais ça, sans déconner, claque. Ce qui veut dire, c'est que là, Axel finit sa maison, et après, pour l'année prochaine, on s'équipe de pommes d'or et de potions, et voilà. Ouais. Et ça rigole et pas. Moi, je vous couvre pendant que vous... Non, je vais aller avec Sorcilius, parce que notre combo a été plutôt pour faire efficace. Ah, oui. Mais Axel, qu'est-ce que tu fais, là? Je fais les fondations. Mais... Oh, c'est grand, hein. Attends, c'est je crois qu'on a perdu Boris. Non. Non, il est mort. Mais regarde, sa porte est cassée. Ah, les villageois lui ont pété la tronche, mon ami. Les zombies lui ont pété la tronche. Oh merde. Non. Enfin, zut. Ah si. Ah si. Boris. Ah puis Boris. Non. Bon, il va falloir retrouver un des autres villageois. Bon bah écoute, Boris. Théo, tu fais le nouveau Boris, allez rentre. Ah, on a capturé un super Boris. Bon Axel, tu vas nous faire tout le sol comme ça quoi. Bah je sais pas, après à vous de voir, soit vous vous occupez, vous allez plus loin, soit vous me regardez pendant des heures. On va s'occuper je pense, hein. Ça vient ça devient un peu trop relou. Contemplatif, ouais ça me fatigue. Après bah, c'est trop de contemplation dans les yeux, je fous. J'ai besoin d'un bois comme ça, quelqu'un du bois comme ça. Du bois comme ça comment? Ah du bois c'est comme du bo... ça. Eh ben tu vas dans le coffre, va dans tiens, le coffre Axel. Tiens, du bois comme ça, tiens. Oh là là, mange du bois, mange. Merci. Bon, bon les mecs, qu'est-ce qu'on fait? Et moi je vois les lapins, on peut peut-être les accoupler. T'as déjà accouplé les lapins? Ouais. C'est super chiant à faire, hein. Ça c'est super ouais. Chiant. Ça j'avoue, c'est relou. Mais et sorcier, tiens d'ailleurs, je vais même te laisser faire pour que tu t'en rendes compte. Mais il faut quoi, dis-moi. Vas-y, je te donne les carottes. Allez. Tu rentres dans la fosse. Et souffre. Je viens avec toi. Et souffre. Tu voilà, et regarde bien. En fait, pour les accoupler. Voilà, il faut que tu donnes une carotte à l'un et à l'autre. Ouais. Vas-y. C'est quoi ce coup fourré? Non, t'inquiète pas, ils sont... Non, mais c'est parce que des fois, en fait, voilà. Et après, faut que tu enlèves ta carotte si tu veux qu'il s'accouple, une fois que t'as donné ta... Voilà. Voilà. Sinon ils sont trop concentrés sur voilà. Ta carotte. Voilà. Voilà, c'est ça, en fait, la fin, c'est que quand ils sont nombreux, c'est que tant que tu tiens une carotte dans la main, t'as beau leur en donner, ils restent fixés sur toi, ils s'accouplent pas, en fait. Okay. Donc faut leur donner les carottes et vite enlever la carotte de ta main. Pour l'instant c'était rigolo parce qu'ils étaient que deux. Et ils étaient que tu deux. Verras. Quand pas... tu verras quand ils seront 20, 30, 50. Ah ouais, ça sera plus 50. Sympa. Et il s'appelle comment le petit? On va l'appeler GG. Voilà, nickel. Moi je vote pour Jean-Mi GG. Rien avec ça. Et c'était quoi le premier? Roger. Et vous suivez pas, hein. Franchement. Ouais, Roger, Jean-Mi et GG. C'est n'importe quoi. On peut pas fabriquer des prénoms? Et si on se tuait quelques vaches? Ah, ça détend ça. Ça détend. Ouais. Après une dure journée de labeur. Tuer quelques vaches. Cet épisode est sponsorisé par Charal. Tu vois, pardon, Charal. On devient commercial. Ah mince. Mathéric va gueuler. C'est bien. Allez, voilà. Bon, big up. Laissez-en deux quand même. Ouais, t'inquiète. Big up à toi. On t'aime. On t'aime, ouais, on t'aime, Matt. Reviens là, reviens. Mais c'est qu'elle est... Ah... C'est bien. Nettoyez-moi tout ça. Il faut que je puisse me faire une armure en cuir. Je veux pourquoi une armure en cuir, parce que c'est classe. C'est moche. Non, c'est classe. Ah, une armure en cuir teinte. Je vais la teindre en rouge. Ah, ah oui. Eh, tu sais quoi? Tu pourrais la mettre en décoration sur un porte-armure dans ton armoire. Non, c'est pour moi. Non, c'est à moi. D'accord. Voilà. J'ai un petit peu illuminé d'ailleurs parce que c'est vrai que la nuit là ça spawn pas mal quand même. Hein. Si seulement tu pouvais t'illuminer toi-même. Bah c'est une nouvelle idée puisqu'ils vont encore faire une version de Minecraft. C'est ça. Et Axel, tu nous fais quoi là? Ah oui. Donc t'es parti quoi. Hein. Moi, je crois que c'est bon au niveau des vaches. Non, mais je crois que c'est j'adore bon après. Tuer en... des vaches. D'accord. Okay. Ça suffit les vaches, Théo. Hein? D'accord. Ça suffit, faut qu'il nous en reste quand même. C'est bien. Bah, attendez, vous rigolez ou quoi? Il en reste au moins. Ouais, mais bon, on sait jamais. On est comme ça, nous, on prépare tout ce qu'il faut. Je veux dire, si jamais il y a une famine ou quoi, on est prêt avec ça. Par contre, si tu veux, tu peux tuer quelques moutons. Ah oui, là, faut y aller gentiment. Hein. Alors, ce que je veux, par contre, il y a une règle. Il faut qu'il reste impérativement un jaune et un orange. Voilà. What? Il y a un noir, non? Non, les boutons noirs, ils sont moches. Oh, raciste! Pourquoi? Mais non, merde. Débrouillez-vous. Je dis plus rien. Te laisse pas faire, sorcier, te laisse pas faire. C'est ça, quoi?
Pourquoi un jaune et un orange? Parce que c'est nos deux premiers moutons. Parce que le jaune, c'est la couleur de l'espérance. Voilà. Et que le orange, c'est la couleur des oranges. C'est pas le vert la couleur de l'espérance. Dans Minecraft, c'est le jaune. Voilà. D'accord. Comme les pommes qui tombent des chaînes, c'est tout. Voilà. D'accord. Et c'est magique. Moi, j'aimerais que tu me laisses un petit noir aussi. Moi, j'aime bien les noirs. Hey, tu pourrais faire un grand tapis noir dans ton manoir noir. Ah, c'est pas con de hey. Un grand tapis noir pour mon manoir noir. Ah, ce serait pas mal. C'est dur à dire. Tu vas faire un tapis noir pour ton manoir noir. Mon manoir noir. Pour ton manoir noir. Bah écoute, oui, bien sûr. Ah, moi, ce serait pas mal. Voilà. Axel, mais tu nous fais quoi là? Qu'est-ce qui se passe? Je me sens détendu. Tu te sens détendu? Et ça, c'est l'effet contemplatif de notre série, je pense. C'est clair, ça apaise tout le monde. Ah, mais carrément. Les gens, ils sont tous en colère, tout vénère. Ils voient un épisode, ils rentrent et là, ils sont heureux, ils ont la banane. Je pense que c'est le massacre d'à peu près la moitié de tes vaches et les trois quarts de tes moutons. Oui, non, c'est parce que tu contemples, c'est pour ça. Voilà, tu t'en rends pas compte, mais tu contemples. On les contemple, hein. Ouais, c'est super. J'ai besoin de bois foncé, s'il vous plaît. C'est perché quand même. J'arrive. Du bois foncé. Alors moi j'ai mis plein de bûches de chêne moi. Eh les gars, venez voir. Enfin j'arrive. Eh t'as vu? Eh t'as vu? Eh t'as vu quoi? Eh t'as vu? Elle est belle. Allez, elle est belle. J'avoue que je trouvais ça dégueulasse, mais t'as là, vu quoi ça, là c'est stylé. J'arrive Oslo. Là j'avoue t'as la classe sortie. Alors t'es où Oslo? Moi je surplombe. Ah ok je te vois. Et, ah oui oui. Mais oui. L'armure mais oui. Voilà. Et moi je vois bien. Et moi je vois bien ça sur un porte-armure dans le manoir. Non. Non mais on en fait une autre. Non. Tiens du bois foncé. Par contre c'est des bûches donc courage. C'est pas grave. Axel tu veux une hache peut-être non? Ouais s'il te plaît. Tiens voilà une hache, tiens je t'en ai mis une derrière. Ok Oslo je vais t'en faire une armure rouge teintée. Ah, tu veux cool. Du rouge ou autre chose? Ah, merci. Non mais je la vois bien dans ton manoir noir avec des tapis noirs. Ça va être pourquoi pas. Bah du coup, viens faire un porte-armure. Allez, j'y arrive. Que moi je suis un peu à nous, mais je sais pas comment on fait. Alors je me souviens vaguement, mais j'y arrive. Il va essayer. Ouais, c'est ça. C'est Alzheimer quand tu nous tiens. Fais ce que tu peux. C'est pas évident. Hashtag mais bon. On t'en voudra pas. Ça fait 20 épisodes que je lui en veux plus. Ça fait beaucoup quand même. Hein. C'est pas purée, je fais n'importe nawax, c'est pas purée. Hashtag on t'en voudra pas. Oh, ça va toi. Comment on fait un porte-armure? Mais bon sang, mais comment j'ai fait la dernière fois? Tu n'as pas ton super wiki Minecraft? Bah non, je l'ai pas. Attendez, je refais un essai. Comment j'avais fait? Test. Mais non mais bon bah je sors mon wiki Minecraft, de toute façon j'ai pas le choix, c'est la loose. Hashtag t'es nul. Ça va. Non mais t'es pas doué, il y en a pas un dans la bande qui est capable de me dire comment on fait, hein. Je veux pas dire, les amis. Hein. Oui, mais si ça se trouve, nous on le sait. Ouais. Et oui. On te le dit pas. Ah. Oui. Fais-moi le malin. Hein. J'ai fait. Et toi, je te jure toi. Toi, tu dors à la maison, toi. Hein. Donc, fais pas le malin. Porte-armure. Ah, j'étais pas loin. C'était une dalle qu'il fallait. Oh, Théo, fais gaffe. C'est lui qui te paye tes entraînements de basket. J'ai l'impression. T'as l'impression, hein. Non, faut que je fasse une dalle. Alors, attends, comment on fait une dalle? C'est une dalle comment qu'il te faut, mon ami? Alors, je crois que c'est une dalle. Ah, faut une dalle de pierre, mais je sais pas s'il faut qu'elle soit polie ou. Aïe. Ah si punaise, il faut que je la. Ah oui. Non, mais faut que attends, je cuise. On a de la pierre polie pas loin. On en a? Ouais. Ah si on en a, je prends. Tu te souviens, c'est les cailloux qu'on est bien éduqués. Ah j'en ai une. Ok nickel. Wow. Alors cette fois-ci on la refait. C'est incroyable. Alors on la refait. C'est tac, où je mets le tac. Bois? Le bois? Bah, j'avais bien envie de te dire quelque chose, mais bon. Et hop. D'accord. J'ai fait un porte-armure. Nickel. Que je vais mettre dans la maison. Non, j'arrive. Non. Si, en fait, tu as fait ton tapis noir ou pas, toi? Non, mais c'est pas grave, je le ferai après. Allez, viens. D'accord. Axel, s'il fait nuit, tu peux rentrer. Tu nous dis, tu rentres à la maison et on fait un dodo et on en parle plus. Hein. Allez, vas-y. D'accord, mais... je termine juste ça. Dans un coin, c'est mieux. Et ouais, voilà. Nickel. J'aurais pas choisi ce coin-là. Ah, ma maison, elle avance. Ah, c'est classe. Et après, un sol noir, t'imagines? Tapis noir, non? Papa? Pour le sol noir, j'aurais pas choisi ce coin-là. Oh, t'es chiant, toi.
Bah regarde, logiquement on est d'accord que on arrive plutôt par là. Et alors et en fait c'est dans l'angle mort. C'est décoratif, c'est décoratif. Voilà, c'est pour ça qu'on l'a mis dans l'angle de mort. Ouais, mais ce serait plus ok. L'armure de Dark Sorcy, voilà. Voilà. Dark c'est comme un musée. C'est un peu vous comme un musée. Vous êtes où? Dans le manoir noir. On est dans le manoir noir. Maman, je suis rentré. Eh ben, on arrive. On arrive, oui. Oh, bah, dis donc. Prêt. Non, alors ça, c'est petit, ça. Ça ouais, c'est clair, c'est. Ouais, c'est nul. Non, mais je rêve. Attendez, il y a du zombie, vous vouliez pas faire une razzia de. Et attends, Oslo, est-ce que tu peux regarder le coffre en bas, s'il te plaît? Je vous attends. Je suis gentil, je vous attends. Le disque? Non? Qu'est-ce que t'as oublié? Deux. Oh 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 oh! Qu'est-ce qu'il y a? J'y crois pas. Ok, oh, je m'en fous, Prems! Mais non, toi t'es trois. Oh. Moi je suis nul. T'es derrière, t'es dernier. Je suis nul. Bon ok, alors si on résume Axel, est-ce que t'as fini ta maison toi? Bah non. Oh mais c'est pas vrai. Mais qu'est-ce que tu nous fais? Bah c'est quoi, j'essaie de faire quelque chose de décoratif. C'est une cathédrale ou quoi? Maison. Est-ce que vous avez fait des pommes d'or? Non. Qui c'est qui a les pommes? Y'a plus les pommes. Où sont les pommes? Les pommes. Elles sont dans mon coffre je crois. Ok. Je vais. Est-ce que les potions, faut faire des potions qui des splashs qui se jettent, c'est ça? C'est toi, c'est donc. Non, c'est pas des potions splash. Si. Alors attendez. Weakness, comment on avait fait? J'ai pris les pommes, je vais prendre de l'or, je vais préparer des pommes d'or. Comme ça. Hop. Est-ce que vous voulez entendre une blague extraordinaire? Allez, une vas-y. Blague. Alors il faut qu'elle soit. Attendez. Bonne. Pour faire cette blague. Contemplative. C'est un jeu de mots. Non, c'est un jeu de mots. Mais pour cette blague, j'ai besoin d'une feuille de papier. Et avec cette feuille de papier, vous allez assister à la blague la plus extraordinaire de tous les temps. C'est. Tu t'engages, tu vas loin là quoi. J'ai très peur. Tu peux. C'est ça. C'est souvent moi aussi j'ai peur, hein, tu si vois. Si c'est tel père, tel fils. C'est vrai que le niveau est pas haut avec Oslo, alors. Oh la vache. Oh merci, Sorcy, bravo. Si tu me soutiens, mais alors. Ah non, mais j'aime beaucoup tes blagues. Hein. Mais. Suivez-moi. Si vous voulez assister. Allez, Oslo, viens. Oslo. Moi, j'arrive, parce qu'apparemment, ça a l'air d'être tellement énorme. Huge. Que faut que j'aille. J'ai peur. J'ai peur de votre réaction. Devant la maison. Attends, j'attends ma sœur. C'est la blague du péchou. C'est la blague du péchou. Ouais, viens, on te voit pas là, rapproche-toi s'il te plaît. Attends, j'attends Axel. Attends, voilà, Axel arrive. Attendez, je fais une vue sur l'eau parce que. L'eau sera aussi essentielle à ma blague. Je crains le flop là. Mais non, mais c'est ça, c'est comme ça. Papier. Dans l'eau, j'ai papier. Oh mon dieu, je sais pas quoi dire. J'ai fait. Merci. Ça. Ah, attends, j'ai quelque chose à rajouter. C'est fini pour moi. Superbe. Bravo. Oh non, c'est naze. C'est très très naze. Mais ça, c'était le summum. C'était. Oh my god. Merci Théo. Vous avez été offert par Théo Compagnie. Voilà. C'est comme ça chez nous, hein. T'as vu, je t'avais prévenu. On a un humour Dévastateur. Dévastateur. Je n'ai pas pied. Je m'y attendais pas. Hein. Je m'y attendais pas du tout. Dans l'eau, j'ai pas pied. Dans l'eau, j'ai pas pied. Ça va, Sorcy? Tu t'en remets? Ouais, je me gratte les yeux là. Oui, bah moi j'ai la rétine qui est brûlée. Hein. C'est clair. Ouais. C'est mort. Bon, eh ben, c'est les potions de weakness qu'il faut leur jeter dessus, c'est ça? Oui. Ok, j'en ai que deux. T'as fait des pommes d'or ou pas? Pas non plus hyper dégueulasse. J'ai fait des pommes d'or, je t'en donne une, Sorcy. Oh bah écoute, merci. Je t'en donne. Est-ce que Théo, tu veux une pomme d'or? Bah moi je veux bien. Où es-tu, Théo? Est-ce que j'ai le droit? Après ta blague pourrie, j'ai. Bah elle était pas si pourrie que ça. C'est pas qu'elle était naze, juste qu'elle. C'est pas possible. On s'y attendait pas en fait. Non. J'ai pas pied, ça nous a laissé sans voix. T'as vu que je suis quand même noyé tellement j'ai trouvé ma blague pourrie, tu vois, je me suis laissé j'ai remarqué. Oh, Axel. Ce que je retiens surtout, c'est le petit blanc de 2 secondes entre le moment où t'as dit la blague et le moment où on a ri. C'est ça, on s'est dit, qu'est-ce pour qu'on savoir, fait est-ce, ouais, est-ce qu'on rit ou. Ou est-ce qu'on se jette dans l'eau, nous aussi, pour moi. Est-ce qu'on se noie et adieu tout le monde. Bon, Axel, c'est pas mal. Il faut mettre des portes, là.
Oui, bah déjà, laisse-moi finir. Je tiens quand même à préciser que cette blague n'est pas de moi. Ah, bah c'est que je trouve. Ouais, c'est facile ça. Mais je l'ai trouvé. Non, c'est réellement. J'ai un pote qui me l'avait fait. Oui. Je l'ai trouvé extraordinaire. D'accord, et tu t'es senti obligé de nous la faire aussi. Quoi. Exactement. C'est moche, moi je dis. Mais non, c'était pour vous partager une expérience. Tiens, je mets des portes, Axel. Regarde, assez extraordinaire. Tac. Voilà. Qui veut me rendre un service et partir à la recherche de l'argile? Oh non, alors là, si tu veux, non, pas d'argile. J'ai une crampe. Je proteste. J'ai une crampe, ouais. Non, non, je peux pas, j'ai ski nautique. J'ai cours de dressage de chameau. Ah oui, bah moi je n'ai rien à faire et je ne veux pas y aller. Voilà, bah écoute, Axel, c'est très bien. Écoute, tu as fait ta maison. C'est pas mal, moi je dis, qu'est-ce que t'en penses, sorti? Je suis très très content, mais du coup, il faut que Théo te fasse que ça fleure. Ah oui, mais attendez, je veux qu'on fasse un vote. Ce sera soit fleur, soit calamar. Ah, sorti? Personnellement, je préfère la fleur. Ouais, pourquoi? La fleur, c'est plus sympa. J'ai pas envie qu'on fleur. Soit accusé par Famille de France pour incitation au twerk de calamar. C'est vrai. Qu'on soit appelé pour la SPA, par la SPA ou. Allez, viens, si tu veux, t'as des belles fleurs ici. Allez, Théo. Moi, je veux une fleur de la contemplation. Ah bah, c'est là. Non, ça c'est des pissenlits. Elles sont là-bas, les fleurs. Elles sont là, très bien. Devant la maison, non, n'est-ce pas? Non. Elle est pure, celle-là, devant la maison. Non, celle-là, elle est pure, faut pas la souiller. Tu viens ici, et puis voilà, tu fais ton truc, et on n'en parle plus. Attendez, j'approche délicatement. Voilà. Hop, c'est parti. Bien sorti, on va se quitter sur un twerk sauvage. Un twerk de fleurs. Écoutez, merci à tous d'avoir regardé ce 20e épisode de la quête du dragon en mousse. Attends, Théo, reste bouche bée devant moi, je veux juste faire une photo. Sorcier. Théo, vas-y, retourne-toi, mets-toi à l'opposé, juste à l'opposé de moi. Théo, mets-toi juste à l'opposé de moi, juste devant la fleur. Théo. Ouais. Non, donc tourne, merci à tous. Tourne-toi à 80 degrés. Non, de l'autre côté. Et puis on se retrouve du coup pour le 21e épisode. Parfait. Très bientôt. C'est bon. Je chiale. Merci à tous. On vous aime. Bisous. Attends, c'est pas n'importe qui. C'est tout. Ah bah. Plus vif que l'éclair, hein, famille. J'ai quelques carottes du coup. Venez tous pour que je puisse passer une déception de carottes. Ouais. Tiens, hop, quelques carottes. Pour toi aussi quelques carottes.